fait tout seul ensemble, ça fait plaisir. On a commencé avec le test physique la semaine passée, fin de semaine, et maintenant on a commencé à Sevilla, comme c'est tradition dans les montagnes. Ça fait vraiment plaisir de commencer tout de suite ensemble, rester 6 jours ensemble, passer pratiquement 24 ensemble. Ça commence déjà à former notre esprit d'équipe. Les nouveaux joueurs ils s'intègrent très rapidement et au bout de la semaine, ils sont intégrés complètement. Bah, le camp, voilà, c'est un camp très dur sur le plan physique. On travaille beaucoup. On a 2 entraînements sur la glace, plus un entraînement physique tous les jours. Et puis, voilà, c'est sur ce plan-là, on travaille très fort tout de suite pour intégrer les nouveaux systèmes des entraîneurs et prochainement mettre en place ça. Et, mais à côté, on s'amuse bien entre nous, on joue aux cartes, on fait des sorties. Voilà, comme on dit, à la montagne, c'est sympa, on peut faire de bonnes balades. C'est notre état d'esprit, c'est un peu comme être en vacances, sans l'aide, quoi. Bon, je n'ai type sauf hier le 1er août, voilà, que ici à Villars, c'est une grosse fête. On a pu profiter de ça, on a fait une petite parade avec ce qui se passe ici comme manifestation. C'est une grosse parade, c'est les 150 ans de la station. Alors, c'est un gros honneur pour nous et pour le club de pouvoir participer à ça. On est vraiment très honorés. Et puis à la fin, on a pu participer un peu avec les gens, parler un peu avec les gens. Déjà, sentir un peu le feeling des fans de Lausanne sur la saison qui vient. Bon, il y a beaucoup d'attentes, ça c'est bien pour nous, ça nous met beaucoup de pression, mais de la pression positive. Mais la journée type, c'est également on se réveille très tôt le matin, petit déj, direct on va à la patinoire, on a un groupe sur la glace tout de suite, vers 9h30, 9h45. Et l'autre groupe, il fait une séance de musculation. Voilà, c'est une bonne mise en route déjà, bien commencer, commencer avec des petites choses, des choses simples. C'est comme ça au début de la préparation, au début de chaque saison, c'est pareil. Il fallait commencer à faire les bonnes choses de la bonne manière et surtout les choses simples. Et puis on cherche d'intégrer de plus en plus le nouveau système. On verra cette semaine, on va travailler aussi beaucoup sur ça. On a un changement d'entraîneur et forcément un changement de système. Alors ça va être une première étape. Et il faut seulement chercher vraiment de mettre en place ça petit à petit et je pense que c'est le plus important.